Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube Essembo TV. Et bien, dans cette vidéo de vidéo, nous allons voir un peu le chauffage et le préchauffage des poussins. Comment accueillir des poussins du stade du premier jour de l'arrivée jusqu'à l'abattage. Donc, abonnez-vous à cette page YouTube Essembo TV. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook Essembo TV, notre page Facebook, Instagram également. C'était Abdou Samassi, votre promoteur des pages YouTube, votre ingénieur de technique d'élevage. À la prochaine et terminez cette vidéo pour comprendre le chauffage des volailles. Les aliments, on met juste un peu. Parce que quand tu mets trop, ils vont gaspiller l'aliment. Donc tu mets juste un peu. Au fur et à mesure qu'il finit de consommer, tu viens ajouter aussi. Ça dit juste de quoi ils ont besoin, quoi. Voilà. Si tu mets un essai dans les mangeoires, ils vont verser. Ça sera du gaspillage, en fait. Ok. On a ce qu'il fait actuellement. Il va juste un peu. Juste deux poignées. Bon, actuellement, ici, c'est ici, là, on donne de la nourriture à volonté. Mm-hmm. Alors, on peut mesurer le nombre de grammes qu'il peut manger, le nombre de grammes d'aliments qu'il veut manger. Mais ici, nous voulons booster leur accélération, leur croissance. Donc, on donne l'aliment à volonté. En ce qui concerne l'eau de boisson, pouvons-nous savoir quels sont les produits que vous avez utilisés? Ok, une très belle et excellente question. Donc pour commencer, c'est dès le début, hein. Donc c'est la prophylaxie qu'on doit respecter. Déjà le premier jour de l'arrivée, nous avons donné la vigosine. Voilà, la vigosine qui est un remontant, qui peut mettre les mains sur pied, qui peut mettre les réhydrater. Mais on aurait pu donner du sucre. Maintenant, au deuxième jour, nous avons donné du Vigal 2X. Ouais, pour ceux qui ne savent pas comment on écrit Vigal 2X, c'est V-I-G-A-L 2 et puis X. Donc, on a du Vigal 2X. Mais comme étant donné que les sujets ont fait un long trajet et ils étaient fatigués, on était obligé de combiner avec de la vitamine comme amine totale. Donc, pendant cette première semaine, nous allons donner du Vigal 2X au sujet. Ok. Je peux poser la question. Bon, monsieur Samassi. Oui, monsieur. Pouvons-nous savoir ce que vous faites actuellement?
comme vous le constatez, attention, tu as enlevé tout ce qui est comme impureté, tout ce qui est comme saleté dans l'aliment. Parce que vous savez, le poussin se comporte comme les êtres humains. Tant que il y a le popo, la litière, les sels dans l'aliment, ils ne vont pas manger. Vous constatez que après mon passage, on remarque que les poussins sont en train de s'alimenter. Parce que ils voient que c'est propre, c'est clean. Et selon eux, on a apporté un nouveau aliment. Ah, d'accord. Donc je vois ici bon, de la poudre dans la mangeoire, je vais mettre un peu d'aliment. Comme par exemple ce qu'on peut constater ici.